Bonjour les supporters, je vous présente mes 11 de rêve. Mon équipe va jouer en 4-3-3. Bon, gardien de but, c'est Carlos Tafarel du Brésil. En défense centrale, je vais mettre Alexandre Nesta d'AC Milan, un très grand défenseur que je m'inspire beaucoup de lui. À côté de lui, un autre Italien, Maldini, la légende Maldini, parce que c'est un défenseur aussi que voilà. Là, je vais jusqu'à tard, donc ça m'a inspiré aussi de continuer jusqu'à présent. Sur le côté gauche, je mets Roberto Carlos, un Brésilien comme moi, avec une grosse frappe de balle. À droite, je mets Daniel Alves, le joueur plus titré au monde, donc voilà, je pense que son poste, il est mérité. Après, devant la défense, je mets Dunga. C'était le capitaine de l'équipe de Brésil en 1994, quand j'étais plus jeune et qu'il m'a fait rêver aux États-Unis. À côté de lui, je mets Zidane. Zidane, que voilà, c'est un Français qui a fait rêver les Français en 1998 avec son talent, son deux buts marqués en finale, donc même en tant que Brésilien, mais je le félicite. Donc voilà. Après, à côté, je mets Ronaldinho. Ronaldinho qui joue au Barça, joga bonito, un phénomène avec le ballon. Et puis devant, je mets trois Brésiliens. En pointe, je mets Romario. Romario, voilà. Pour moi, comme Dunga en 94, il m'a fait rêver pendant la Coupe du Monde. À côté de lui, je mets Neymar, un talent immense. Et de l'autre côté, je mets Ronaldo, un phénomène. Voici mon équipe de rêve. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez. Cliquez ici pour vous abonner à la chaîne YouTube du MHSC. Please click here to subscribe to the YouTube channel. Siguez le canal du MHSC no YouTube.